Tiens, bonjour à tous, salut tout le monde. Nouvelle vidéo de clarification sur les règles de VATSIM, suite donc à beaucoup de demandes et suite donc à de nombreux commentaires qui sont arrivés au sein de ma chaîne suite au message que j'avais laissé concernant donc la capture d'écran que un haters m'avait envoyé et dont cette personne m'accuse d'avoir hacké son site internet et sa base de données. Donc on va un petit peu revoir les règles de VATSIM avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport au message vidéo. Et pour être clair vis-à-vis tout le monde, parce que j'ai entendu du grand n'importe quoi hier. C'est pour ça que cette vidéo de clarification, je pense qu'elle est nécessaire et ou bénéfique. Donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, déjà j'aurais commencé par le commencement. C'est moi qui suis le patron de cette chaîne. C'est moi qui décide où, quand et comment je dois sortir les vidéos. Les vidéos des vols commentés et des vidéos que j'organise, donc des événements et tout ça, c'est moi qui les diffuse et c'est moi qui décide quel passage je dois mettre ou non. Alors, je vais être très clair pour les gens qui ne sont pas d'accord. Allez voir d'autres grands youtubeurs comme ChrisFX ou comme d'autres avant de me faire chier moi. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, on va rentrer dans le code of conduct de VATSIM. Alors le code of conduct de VATSIM, le voici. Alors, j'ai entendu hier beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais tu vas sur des stations où tu écoutes et ceci et cela. » Alors, ça, ce document-là, il est pris donc du site officiel donc de VATSIM. Je vous mettrai le lien en barre de description des règles générales du code of conduct. Tous les membres en tout temps doivent être courtois et respectueux vis-à-vis d'autres. Donc le message avec les insultes que j'ai pu recevoir, puisque ce message, je ne peux pas vous le diffuser suite au fait qu'on m'a fait du chantage pour qu'il ne soit pas diffusé, d'accord? Donc c'est une personne qui n'assume rien, d'accord? Donc, à ce sujet-là, j'ai la capture d'écran donc sur mon téléphone. Donc je la garde, je l'ai gardé. Hein. Cette personne me dit quoi? Me dit que soi-disant je fais de la merde en France et que je viens critiquer tout le monde. Alors je viens critiquer tout le monde quand il y en a besoin. Je veux dire quand tu ouvres une position contre leur tour, d'accord? À un moment donné, faut quand même savoir calculer le vent, calculer la piste en service, donner des clairances IFR VFR correctement et appliquer les règles en vigueur dans l'aéronautique civile virtuelle et les règles de la DGAC en France, d'accord? Donc ça là-dessus, moi je contrôle très bien, je sais piloter et je fais pas de la merde. D'accord? Donc cette personne-là, jalouse. Ok? Ma réponse a été celle-là, écoutez bien. Monsieur, avant donc, je vais pas donner son nom de famille directement, parce que, alors, ça aussi, je vais juste reprendre un tout petit truc, rapidement. Sur VPilote, on vous dit quoi? Regardez bien. Regardez, je le fais exprès de zoomer, regardez. Simply enter your VATSIM credential. Ça veut dire quoi? C'est votre VID, your full name, and your name, and your home airport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez mettre votre nom et votre prénom. C'est obligatoire. Regardez, sur le règle du code of conduct, regardez, c'est marqué. Member chat to connect only on the following name convention. Their name, full name, and your surname, your given name. Regardez, c'est marqué Joseph Smith as registered. Quand vous vous enregistrez avec vos vrais noms, votre vrai prénom, vous ne pouvez absolument rien dire. C'est vous et vous seul qui avez rentré votre prénom et votre vrai nom. Donc avant de dire que j'ai fait exprès de mettre le vrai nom et le vrai prénom de cette personne, il faut être juste un petit peu plus mature et comprendre que ce sont les règles de VATSIM. Il y en a qui ne comprennent absolument rien. D'accord? On vous dit les choses, arrêtez de faire des supputations qui n'ont même pas lieu d'être. Vous êtes obligé de rentrer votre vrai nom, votre vrai prénom, lors du fait que vous enregistrez et lors du fait que vous utilisez les logiciels donc de VATSIM qui appartiennent à VATSIM. D'accord? Donc là-dessus, moi je peux absolument rien faire. C'est vous et vous seul qui êtes responsable. Ensuite, ils vous disent qu'il faut maintenir une adresse mail valide. D'accord? Donc, votre adresse mail ne doit être pas partagée en dehors de VATSIM Organisation. D'accord? Le fait que vous maintenez votre email ou que vous la supprimiez et que vous créez un autre compte amène directement une suspension sur VATSIM. Donc, de votre premier compte.
et de votre deuxième au passage. Donc ça là-dessus, on va être très clair, quand vous enregistrez sur un site internet, peu importe lequel, vous devez rentrer votre vrai nom, votre vrai prénom. Donc il faut arrêter de me faire chier là-dessus. D'accord? Donc ça là-dessus, je pense avoir été clair. Donc vis-à-vis donc de la capture d'écran, moi j'ai répondu à ce monsieur que il serait bien que ce dernier apprenne à piloter et arrête donc d'harceler les gens comme moi par message et que directement. Et donc que derrière, vous devez donc apprendre à contrôler correctement. Je veux dire, quand on contrôle sur des plateformes type Bordeaux, type Dubaï, type Doha, type New York, type Tel Aviv, type Lyon, enfin je vais pas vous faire toutes les villes, mais vous devez apprendre à contrôler et à piloter. C'est même pas négociable. Ça là-dessus, on peut pas négocier avec la sécurité. On peut pas. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'à voir la sécurité là-dedans? Bah, la sécurité, c'est que si vous donnez une piste en service qui n'est pas la bonne, comme il y a eu à Bordeaux, vous vous plantez. À un examen, vous vous plantez. C'est clair. Donc, moi, je lui ai demandé après d'arrêter de mentir aux gens avec qui ce dernier discute, hein, mon sujet. Et très clairement, ce monsieur me dit que, soi-disant, il m'avait mis quelque chose dans le fion. Très clairement, ça, c'est inadmissible de m'écrire ça. Et que, soi-disant, j'étais gay. Alors, je vais être très clair. Moi, mon orientation sexuelle, ça ne regarde personne. D'accord? Donc, je ne suis pas gay. Je vais répondre tout de suite aux interrogations. Et m'écrire enfin, à la fin, à 16h20, à quand la prochaine carotte dans le cul? Excusez-moi du terme, mais où là, il n'y a pas une insulte, il n'y a pas une injure là? Donc on vient pas me reprocher des choses derrière. D'accord? Moi, je suis clair vis-à-vis de tout le monde. Et très clair vis-à-vis des gens qui sont sur Vatim et qui utilisent le réseau de Vatim. Le réseau IVO, ça n'a rien à voir avec le réseau de Vatim. D'accord? Donc, ça là-dessus, on ne peut pas négocier. Ok? Ça là-dessus, moi je suis très clair, il n'y a eu aucune insulte, il n'y a eu aucune injure, parce que là, on me dit du grand n'importe quoi, et très clairement, on m'accuse de choses que je n'ai pas faites, donc très clairement, les haters sont tous jaloux de ma chaîne et tout ça. Je ne suis pas quelqu'un à problème, je ne suis pas un nid à problème, pas du tout. C'est juste que moi, je veux que les règles soient appliquées et soient applicables. Donc les règles des autorités en France, machin, truc, tout, non, ça n'a rien à voir. Et ça n'a même pas lieu d'être sur Vatim. Ce sont les règles de Vatim qui priment, donc les règles des USA. Point barre. Vatim n'est pas européen, Vatim est USA. Ok? Donc c'est les règles des États-Unis, donc ce sont les règles, si on me demande et si on m'interroge, je dirais, je me soucierai uniquement aux questions des Américains, pas aux questions des Français. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi je suis désolé, Vatim est américain et n'est pas français. Donc ça là-dessus. Moi, je considère très clairement, suite au fait que j'ai écrit à ce monsieur qu'il fallait que ce dernier arrête de mentir aux gens et apprenne à piloter ou à contrôler, je suis désolé, il n'y a aucune injure. Aucune. Donc ça là-dessus, je ne laisserai quiconque, et je vais être très clair, que quelqu'un vienne me dire quelque chose, je peux vous assurer d'une chose, que ce soit un adulte, que ce soit n'importe qui, je lui re-rentre dedans et je refais ses 22. C'est très clair. Il y a des règles. Là, les règles aujourd'hui, elles sont très claires. Je vous montre les règles de Vatsim, c'est pas pour que les choses soient violées. Donc, j'aimerais une bonne fois pour toutes que ça s'arrête. Donc, quand je vois the real name, full name, donc avec le nom, avec le prénom qui doit être enregistré, c'est marqué sur Vatsim. C'est marqué sur la règle du code of conduct. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi en parler aujourd'hui? Alors, très clairement, j'ai entendu beaucoup de choses. Alors en France, pourquoi je ne peux plus contrôler en France? Bah parce que beaucoup de staff ont été intimidés et ont reçu des ordres d'une personne qui a essayé de me suspendre à vie par force immédiate donc du réseau IVAO Network, donc d'une personne qui était staff au Sénégal, qui a très clairement, par jalousie, inventé de fausses preuves et dont cette même personne qui s'est quand même permis de me dire que je fais de la merde sur le territoire français et que
Il faut que j'apprenne à piloter. Écoute, garçon, j'ai quand même 3800, 3900 heures de pilotage. Je sais quand même piloter, je sais aller à l'international. D'accord? Donc, à un moment donné, moi, je vais être très clair. Tout ce qui vient sur ma chaîne, donc tout ce qui est vol commenté, tout ce qui est diffusion d'événements, c'est moi qui décide et c'est uniquement moi qui décide quoi mettre. D'accord? Donc, ça là-dessus, j'aimerais que les choses soient claires, soient carrées et soient comprises. Donc, que quelqu'un vienne me dire quelque chose, je peux vous assurer d'une chose, que cette personne, je vais lui refaire ses 22, et très clairement, cette personne, je lui demanderai un point téléphonique et une vraie réalité des choses. C'est-à-dire que la première des choses, ça fait 4 ans qu'on me saoule. Et je pense avoir été clair là-dessus, j'ai fait 3 vidéos à ce sujet-là. Ça fait 4 ans qu'on me saoule avec une histoire où, soi-disant, j'ai piraté un site web et une base de données. Je ne sais pas pirater un site web et une base de données. Il faut qu'on arrête de me saouler avec ça. C'est pas parce que j'ai suivi des formations en informatique que je suis quelqu'un de méchant, ok? Donc ça, là-dessus, j'en ai marre de devoir me justifier. Alors, c'est pas une question, et je vais répondre donc à Flavien directement qui m'a laissé un commentaire. C'est pas une question de comment dire, de pression. C'est une question de règles. Donc hier, j'ai laissé suffisamment de liens pour que les gens aillent les voir. Mais si les gens ne savent pas lire et ne savent pas comprendre le français ni même l'anglais, moi je peux rien pour eux. Je peux rien pour eux. Donc c'est marqué, regardez, Members shall connect to VATSIM using only one the following name convention. The real name, full name. À partir de là, c'est marqué noir sur blanc. C'est souligné en jaune. Ces documents proviennent du site de vatsim.net. Je vous mettrai en barre de description les conventions et les règles du code of conduct. Ok? Alors j'ai aussi entendu que, soi-disant, c'est moi qui ai cherché la première fois lors de mon vol entre Ajaccio et New York. Alors je vais répondre tout de suite. Je n'ai pas cherché. Cependant, quand vous êtes à 39 000 pieds et que vous recevez une information TCAS Traffic, donc c'est un éco-radar. D'accord, qu'on appelle ça dans l'aéronautique un éco-radar. Cet éco-radar, c'est vous, il capte donc quelque chose de métallique et ça revient, ça fait un échange. D'accord? De cet échange résulte un résultat, résulte un écho. D'accord? Donc, moi j'ai eu une alerte TCAS trafic et en même temps j'ai entendu des gens parler sur le Nicom. Et donc, les seuls avions présents dans la zone. Ou quand moi j'ai fait route vers New York, c'était donc le Foxtrot Charlie Papa Lima Alpha et le Foxtrot Charlie Mike Papa Foxtrot, oui, Foxtrot attendez, je vais juste reprendre le call sign, Foxtrot Mike, Foxtrot Juliette Papa. Ce sont les deux avions que j'ai entendus en fréquence. Alors je ne sais pas s'il y avait des insultes, j'en sais rien. Je ne vais pas me prononcer là-dessus et je tiens à être très clair. D'accord? Donc ça là-dessus, on peut me chanter ce qu'on veut, mais moi, j'ai insulté personne. Première des choses. Deuxième des choses, je vais répondre par rapport à Ivao. Alors j'ai entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Concernant Ivao, non, j'ai pas été banni. Ça c'est faux. Tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous l'ai dit, mais certaines personnes ne vont pas visionner ce que je dis. Je pense avoir fait 3 vidéos assez explicatives là-dessus. Et ces 3 vidéos explicatives sont très claires. La première des choses, c'est que j'ai été victime d'une usurpation d'identité, d'accord? Donc avec des entreprises avec lesquelles j'ai échangé par mail, avec donc une VA qui est Air France Virtuelle, d'accord, qui a été impactée par ce problème, d'accord, qui m'a lavé de tout soupçon. Donc mon compte sur Ivao a été suspendu et aujourd'hui je n'ai plus accès à quoi que ce soit sur Ivao. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, cela fait suite au fait que un staff de la division française d'Ivao France a été, soi-disant, ou a reçu, soi-disant, des insultes. Moi, je vais être très clair, et je vais être très clair vis-à-vis de tout le monde, une bonne fois pour toutes. La première des choses, je n'ai jamais insulté de membres staff. Il faut arrêter ce bordel. D'accord? Donc, j'ai jamais insulté de membres staff, ni même la personne donc, qui m'a envoyé un message lors de mon vol entre Ajaccio et New York, j'aimerais que le débat soit clos une bonne fois pour toutes. Je n'ai rien dit concernant sa famille. D'accord? Donc, j'aimerais que les choses soient comprises. Je pense que là, les on-dit, les supputations d'hier et le bordel qui a été mis dans les commentaires et dont l'acharnement doit arrêter, je suis désolé, cette personne n'assume pas ses actes, cette personne me dit à tort que j'ai hacké son site internet et sa base de données. C'est faux. C'est faux. Je ne connais pas ce monsieur et je ne veux pas le connaître. On va être très clair. Maintenant, je vais être très clair.
Les autistes et les gens qui ne savent pas piloter, il y a des formations qui vous sont données. Ces formations, vous devez y aller. Moi, je ne vais pas vous apprendre hein, le pilotage. Moi, je sais piloter, je sais aller contrôler sur des plateformes. Point barre. Ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ne sont pas contents, ou ceux qui veulent me créer des soucis, soit en justice, soit avec des gens. Je vais être très clair, moi, je ne suis pas là pour me prendre la tête. C'est clair. Moi, les on-dit, les machins, les trucs, j'en ai marre. Donc, à un moment donné, les gens qui ne sont pas intelligents, eh ben, vous n'êtes pas intelligent, vous croyez les on-dit, eh ben, croyez les on-dit. Mais moi, je vous dis très clairement les choses. Si je vous fais aujourd'hui cette vidéo, c'est pour être très clair vis-à-vis des règles. J'en ai marre. Et assez de devoir me justifier à des autistes et à des gens qui n'écoutent pas le français. On vous dit les choses. Il vous faut 3 à 4 vidéos pour que ça soit compris. Mais putain, mais bordel, mais c'est compliqué de comprendre le français là? Non, c'est pas compliqué. Donc, maintenant, il est dit que tous les membres doivent s'enregistrer sur le site de Vatsim Account. D'accord? Et que tous les membres, une fois qu'ils ont approuvé tout ça, doivent se rendre sur les documents Approve Setwork, Approve Software, et que tous les membres doivent être familiers avec les programmes qui sont utilisés avec le programme Vatsim Login Network. Est-ce que c'est compliqué? Non, ce sont les règles de Vatsim. Donc j'en ai marre, j'en ai ma claque de devoir me justifier. J'ai été clair. Maintenant, concernant les VFR maintenant. Les VFR, il est dit, don't, et ça c'est Vatsim Scandinavie. File flight permit that you are not able or don't understand how to fly. Ça veut dire quoi? Que si vous envoyez un plan de vol avec une route incorrecte, peu importe la zone où vous êtes, c'est interdit. Ce sont les règles. Il y a des règles à respecter, elles sont là pour être respectées. Point barre. Il est aussi dit, file a route straight from the flight planner in Microsoft Flight Simulator. These routes are often going on the wrong way on any direction at this route, which is like driving the wrong way down to the motorway. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, très clairement, vous êtes interdit. C'est-à-dire que si vous prenez une autre route, donc par exemple, je vous prends le vol qu'il y a eu donc, entre Montpellier et Montpellier-Bordeaux et que la personne faisait Montpellier-Marseille direct, route directe. À un moment donné, gars, si tu ne sais pas remplir un plan de vol, tu te déconnectes, tu reviens à l'aéroport, tu renvoies un nouveau plan de vol, et là, tu peux aller à Marseille. C'est pas comme ça que ça se passe en vol. Il y aurait eu le contrôle de Marseille, tu te serais fait rentrer dedans. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des règles. Les règles, vous pouvez même pas transiger avec. Vous voulez râler contre les règles? Pas de souci. Écrivez au VATGOV. Ils vont vous dire, mais garçon, t'as pas suivi les règles? C'est normal, c'est tout à fait normal. Vous voulez dire quelque chose à Vatsim Scandinavie? Allez-y. Allez leur dire que vous n'êtes pas d'accord avec les règles. Vous allez voir leur réponse. Ça fait réfléchir, hein. Maintenant, important le bulls. Il est dit que pour ne pas déranger les flight opérations, VFR, IFR, les vols charter, les vols commerciaux, vous ne devez pas vous connecter sur une piste en service ou sur un taxiway avant de vous loguer sur Vatsim Network. C'est clair. Les choses sont claires. Donc je ne veux pas entendre les personnes qui disent non. Non. Et renom. Ok? Maintenant c'est marqué, regardez. Pilot shall not use an active ATC frequency for private conversation. C'est pareil sur l'Unicom. L'Unicom ne doit pas servir pour vos conversations personnelles. Il y a un point de chat, vous faites un point de chat suivi du call sign de la personne. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est français ça? Point de chat suivi du call sign de la personne en majuscule. Putain, mais merde, les mecs, enfin, putain, on vous fait des règles. Sur le site de Vatsim, ils prennent le temps de souligner les choses. C'est pas pour que les choses soient détournées, bordel. Mais je comprends pas, moi. Faut être autiste à ce point-là. C'est pas possible autrement. On vous dit, please use, en plus c'est marqué, regardez. Please use private message for personal communication. C'est compliqué? Non. Non, c'est pas compliqué. Bordel. Est-ce que c'est français, ça? Non. À un moment donné, on vous dit les choses. Appliquez-les, bordel, avant de faire chier votre monde. Donc, maintenant, les insultes sur Vatsim, pareil.
Vous ne devez pas intimider qui que ce soit. Donc le message que j'ai reçu était tout à fait normal que j'en parle sur ma chaîne précédemment. Donc je veux entendre personne, et je vais être très clair, que ça soit un adulte, que ça soit qui que ce soit, qui vienne me dire quelque chose, mais alors là je peux vous assurer que l'adulte, je lui refais ses 22. Et je vais être très clair. Moi, les insultes et les intimidations et les menaces d'autrui, moi c'est niette. C'est niette et ça n'existera pas sur ma chaîne. Qu'on soit bien clair. J'en ai assez de devoir m'expliquer et de devoir faire une vidéo un dimanche après-midi pour vous dire les choses. Vous ne devez pas en plus y marquer. I certainly didn't mean to insult anyone. Je veux dire, la personne qui m'a insulté vis-à-vis de mes capacités de pilotage et ATC, mais la personne n'a même pas le niveau que j'ai. Mais ça serait bien que cette personne se la boucle avant de critiquer. D'accord ? Qu'elle fasse des événements à l'international, pas en national. En national, je vous l'ai dit plusieurs fois hier. Vous n'allez rien apprendre. Rien. Vous allez rester en France, vous n'allez rien apprendre. Vous allez rester en Belgique, vous n'allez rien apprendre. Vous allez rester je sais où, vous n'allez rien apprendre. Vous allez à l'international, là par contre, vous allez apprendre des choses. Moi, je suis capable d'aller à l'international. Donc, très clairement là-dessus, j'aimerais être clair. Maintenant, vis-à-vis des règles générales du Code of Conduct de Vatsim. Ce sont les règles. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. D'accord ? Donc, je pense être suffisamment clair pour être clair avec vous. Les members, en plus, c'est... Donc là, la partie en jaune, hein. C'est pas moi qui l'ai souligné, hein, au fait. Hein. Members shall at all times be courteous and respectful to one another. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les membres qui utilisent le réseau de Vatsim doivent être respectueux entre eux en tout temps et doivent être courtois. Vous avez le droit, regardez, only registered member in a good standing may observer, fly as a pilot, or provide ATC as a controller. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les membres enregistrés peuvent aller voler en tant que pilote ou ATC contrôleur. Et vous pouvez aller aussi observer les capacités de pilotage et les capacités d'ATC. Ce sont les règles de Vatsim. Vous n'êtes pas d'accord, vous écrivez à Vatsim. Point barre. Mais je peux vous assurer que leurs réponses vont être extrêmement courtes, extrêmement complexes. Vous avez des choses à dire ? Pas de problème. Ils sont preneurs de tout. Hein. Mais ils vont vous dire, bah ouais, mais c'est nous les administrateurs, donc on fait ce qu'on veut en fait. Voilà. Donc, je préviens tout de suite, que ce soit un adulte, que ce soit quiconque, qui vienne me dire quelque chose par rapport aux règles de Vatsim, moi je suis pas administrateur de Vatsim, hein. Je vais être très clair, je suis même pas staff. Moi je suis un simple utilisateur, aujourd'hui, qui utilise le réseau de Vatsim, qui est passionné pour l'aéronautique civile virtuelle. Donc toutes les personnes qui sont contre le règlement de Vatsim, bah vous allez contacter les bords de gouverneur, vous allez contacter les administrateurs, et on vous retirera les choses. Concernant maintenant le message, je vais revenir là-dessus, en corrélation avec les règles. Moi, le dernier message, quand je lis « À quand la prochaine carotte au cul ?» Là, c'est une violation du règle A1 du Code of Conduct de Vatsim. D'accord ? « Members shall at all times be courteous and respectful to one another. » Ok ? Donc ça, là-dessus, je veux entendre personne. Là-dessus, ce sont les règles de Vatsim. C'est Vatsim qui décide et pas les autorités françaises ou de pays étrangers ou non européens ou européens. C'est clair ? Je veux dire, à un moment donné, les règles, elles sont là pour être faites et respectées. Point barre. Donc je veux entendre personne. Je veux, dans les commentaires, je veux que ça soit bien compris. Et je veux que les gens me disent, ok, bah merci pour cette clarification. Oui, je suis obligé de m'énerver. Parce que pourquoi ? Parce que quand j'entends que, soi-disant, c'est moi qui ai manqué de respect à la personne de cette famille, mais attendez, pendant 4 ans, quand on m'a accusé d'hacking de site internet et que cette personne a appelé chez moi, il est où le respect, là, de ma personne ? Il est où ? Il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus. Et ça fait partie de quoi ? De l'alinéa A1 du Code of Conduct. Vous allez dire, oui, mais c'est pas sur Vatsim. Ah bah oui, mais c'est peut-être pas sur Vatsim, mais c'est à s'en prendre à quelqu'un qui utilise le réseau Vatsim. Voilà. Ensuite, je suis désolé, mais on vous a dit les choses. Les choses, on vous les dit, on vous les re-redit, on vous re-redit les choses. Mais s'il y en a qui ne savent pas lire, hein, avant de dire, oui, mais j'ai fait exprès de mettre son vrai prénom et son nom de famille. Mais putain, c'est marqué, regardez, sur Vpilot, regardez, your full name. C'est marqué sur le code of conduct. We'll give name,
Full name! Putain, mais... Bordel, on vous dit les choses. Vous êtes obligé de mettre votre vrai nom, votre vrai prénom. Et pire, Vatsim maintenant demande les passeports et les cartes d'identité pour vérifier qui vous êtes. C'est normal. Moi, je trouve ça normal. Moi, je trouve ça normal. Alors après, de ce qu'ils en font des données, je pense que c'est sauvegardé sur des serveurs. Je pense. Mais après, je vais être très clair, moi, j'ai insulté personne. Et très clairement, dans le message que j'ai fait passer à cette personne hier vis-à-vis des captures d'écran, enfin, de la capture d'écran que vous avez vue, moi, je suis désolé, il n'y a eu aucune insulte. Aucune insulte, aucune injure. C'est lui qui m'a injurié, pas moi. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai rien à me reprocher, moi. Moi, j'ai absolument rien à me reprocher. Voilà. Moi, je veux dire, cette personne, je ne l'ai pas insultée, je n'ai pas insulté de personne stable, je n'ai pas insulté de pilote. Non. Non. Et non. C'est tout. Il n'y a même pas à chercher. On vous parle français. On vous dit les choses. On vous redit, 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 redit les choses. C'est pour vous. C'est pas pour moi. Il y a des règles. Les règles, elles sont là pour être respectées. Elles sont pas là pour être violées par quiconque. Alors maintenant, parlons des formations pilotes. Parlons des formations pilotes. Donc, les formations pilotes. J'ai entendu des belles et des pas mûres. Alors, concernant les formations pilotes, vous devez être chef instructeur pilote, c'est-à-dire que c'est Vatkov 14 et uniquement lui qui décide qui doit être le chef instructeur au sein des VA. Donc, si c'est l'administrateur de la VA, c'est l'administrateur. Par contre, et je tiens à être très clair, il faut avoir un niveau instructeur dans la vraie vie et sur votre team. Vous n'avez pas ça, c'est mort. C'est mort. Je vous le dis. Les 40 heures de machin, de trucs, les gens qui sont contre moi, je m'en bats les couilles. Très clairement. Je vais être très clair. On vous dit que après vous devez passer un audit avec Vatgov 14 et l'ATO, et ce pendant 30 jours. C'est marqué au niveau des certifications. Hein. Donc, moi, je vais être très clair. Au niveau des ATO, au niveau des formations qui vous sont données par les centres de formation civile virtuelle, qui ne sont pas agréés par IVAO ou par VATSIM, qui vous forment n'importe comment, vérifiez bien que ces centres de formation soient agréés par les deux réseaux. S'ils ne sont pas agréés, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, un, ça ne va rien vous apprendre, et deux, moi je suis désolé, mais ça va vous amener à nulle part. Il y a des VA qui sont aujourd'hui donc formés, d'accord? Et ces VA, aujourd'hui, vous les retrouvez sur le site donc, de Vatsim ATO. Donc, en ATO, vous avez ATO Ukraine, BA Virtual Flight Training, Boston Virtual, Delta Virtual Airlines, Emirates, Golf Virtual, Portugal, TUI, VACC Germany, Italie, VAT Japon ATO, VATENA ATO, VAT Russe, donc la Russie, VATSAF, à partie sud, VATSIM Océanie, VATSIM Pilot Academy, VATSIM UK Pilot Training Department, VATSTAR, VATSUR et Virtual UA. Voilà ce qu'il y a comme VACC agréé à ce jour. Ou comme VA qui sont agréés à ce jour. Vous voyez où qu'il y a, à un moment donné, bah je vais vous faire la capture d'écran, comme ça va être vite vu, parce qu'il y en a qui vont me dire après, oui, c'est pas vrai. Voilà. Alors, JSON, je peux pas le télécharger, je vais regarder en XML. Non, alors en XML, je peux pas le télécharger, bon, c'est pas grave, je vais faire une capture d'écran rapidement pour vous montrer. Parce que je pense que c'est pas bien compris. Je pense que là-dessus, moi je suis clair. Il y a des règles. Les règles, encore une nouvelle fois, elles sont là pour être appliquées. Donc hier, non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai pas insulté des membres de sa famille à cette personne. Et je m'en carre. Et je m'en carre, très clairement, pour être clair. Moi, j'ai pas. Moi, j'insulte personne, moi. Qu'est-ce qu'on vient me faire chier là? On m'explique? Qu'est-ce qu'on vient me faire chier avec des conneries? Qu'est-ce qu'on vient me faire chier avec des on-dit, des machins, des trucs, gnagnagna. Non. Non. Et renom. D'accord? Donc, au niveau des ATO, regardez, il y a tout ça.
actuellement, qui est agréé par les ATO de votre team. Voilà. Donc, ça vous montre les VA et les groupes qui sont partenaires du P3, P4, P5. D'accord? Donc là, il y en a un, BA Virtual Flight Training. Full. Delta Virtual Boston, par exemple, full. Delta Virtual Airlines, 3. Emirates Virtual, 3. Gol Virtual, full. Etc., etc., etc. À un moment donné, ces VA et ces VACC, ils ont passé un audit. Ils ont été dans les règles de l'art. C'est-à-dire que les règles sont les règles. On ne peut pas les transiger, on ne peut pas dire ni. Non, ce sont les règles. Les règles, elles sont là pour être respectées. D'accord? Donc, là-dessus, je voudrais être très clair vis-à-vis des centres de formation civile virtuels. Il vous faut être agréé par VATSIM et avoir un niveau instructeur. Du moment que vous n'avez pas de niveau instructeur, ça ne sert à rien. Point. Moi, je ne vais pas céder au chantage, je ne vais pas céder aux menaces. Non, je ne céderai à rien. C'est moi et moi seul qui décide. D'accord? Qu'on soit bien clair. Que quiconque vienne me dire quelque chose, je peux vous assurer d'une chose, c'est que cette personne, je vais lui refaire ses 22 et je vais lui expliquer les règles. Je vais dire, écoutez, il y a des règles. Les règles, elles sont là pour être appliquées et applicables. Point barre. Donc j'en ai marre de devoir tout le temps, 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 m'expliquer. On vous a dit les choses. Et c'est pour ça, donc en récapitulatif sur VATSIM, la première des choses, non, j'ai pas fait exprès de mettre le vrai nom et le vrai prénom de cette personne. Cette personne a laissé son vrai nom sur VPilote, parce que sur VPilote, je vais vous montrer comment ça se passe. Sur VPilote, d'accord, vous allez juste démarrer le logiciel. C'est super simple. VPilote, voilà comment ça s'organise. OK? Donc, vous allez dans Settings. Et dans Settings. Dans Settings, vous avez, regardez, hop, il y a un full name. Voilà. C'est compliqué? Non. Il n'y a rien de compliqué. OK? Donc, les personnes qui disent gnagnagnagna. Non. Non, c'est quand vous allez sur VATSIM, quand vous faites un point de chat suivi du call sign, vous avez le vrai nom de la personne, le vrai prénom, le vrai nom. S'il y en a qui ne veulent pas mettre leur vrai nom, leur vrai prénom, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. C'est tout. Moi, en aucun cas, je n'ai mis le vrai nom et le vrai prénom de cette personne en automatique. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord qu'à un moment donné, on me dise, ah oui, mais c'est toi, Camille. Non, c'est pas moi. C'est la personne qui est responsable, qui a créé le compte, qui a mis son vrai nom. Et Vatim, d'ailleurs, l'ordonne et l'exige. C'est tout. Il n'y a pas de règle de substitution. Non. Vous devez mettre votre vrai nom, votre vrai prénom. Moi, je ne suis pas quelqu'un à problème. Et je tiens à être très clair, je ne suis pas un nid à problème. C'est juste que, à un moment donné, il y en a qui ne sont pas capables de piloter, il y en a qui ne sont pas capables de contrôler. Je veux dire, à un moment donné, les règles de VATSIM, elles sont là pour être respectées. Point barre. À un moment donné, moi, j'ai insulté personne, et je vais être très clair, j'insiste sur le personne, parce que j'entends des bruits de couloir, des on-dit, des machins, des trucs, mais putain, mais par moments, je me dis, mais c'est juste pas possible. Donc là, vous voyez derrière, regardez, là, vous voyez, regardez, là, une ligne, enfin, des lignes qui arrivent, vous voyez, on vous dit hein, que donc VPilote cherche à se connecter donc au simulateur. D'accord? Donc, voilà. Vous devez respecter les règles. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Vous allez me dire, oui, mais ça appartient à Internet, ça appartient. Non. C'est, ça appartient aux USA. Et en France, que vous êtes résident français ou résident européen ou non européen, vous avez le droit de vous connecter sur VATSIM du moment que vous respectez les règles et du moment que vous vous soustrayez aux règles de VATSIM, pas aux règles des pays. Là-dessus, je veux rien entendre. Les pays non européens, européens n'ont pas leurs règles à donner sur VATSIM. Point barre. Il y a des règles, elles sont là pour être appliquées. Point barre. C'est tout. Les règles, elles sont là pour se dire, ok, bon, il y a des règles, il est clair, les règles sont claires, on peut rien leur reprocher. Moi, je suis désolé, une personne qui critique mes capacités de pilotage, oui, je suis peut-être pas pilote pro, mais sur les événements, je suis pilote pro expert. C'est-à-dire que je sais respecter les règles ATC, je sais respecter l'éclairance de roulage, l'éclairance IFR-VFR, je sais respecter les procédures IFR-VFR. Qu'est-ce qu'on vient me faire chier là?
On m'explique? Moi, je suis désolé du moment que vous insultez quelqu'un et du moment que les superviseurs vous font un mail, là aussi. Du moment que les superviseurs vous font un mail de rappel à l'ordre, pour vous dire de respecter les règles de votre team et d'arrêter de contacter la personne en privé et d'arrêter de le faire chier, vous devez respecter ces règles. Il n'y a pas à aller saisir les tribunaux européens ou non européens, les tribunaux français pour faire tout un pataquès. Non, il y a des règles. Vous n'êtes pas d'accord avec votre team, bah vous coupez votre compte et arrêtez de faire chier votre monde. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bah, je suis désolé. À un moment donné, on vous dit les choses. C'est pas pour vous emmerder. C'est pour être clair. Donc, je vais répondre. Donc, parce que j'ai aussi reçu donc, un message d'une certaine Roxane qui a trouvé ça scandaleux. Scandaleux. Que le message avec la capture d'écran ait été caché et que ça ne soit pas révélé. Effectivement, ce message, moi je ne veux pas le diffuser. Pourquoi? Parce que tout simplement, on me fait du chantage là-dessus. Et que très clairement, je tiens à être très clair vis-à-vis de toutes les personnes qui me regardent et de qui vont m'écouter. Je n'ai jamais insulté cette personne, je ne l'ai jamais injuriée. Donc maintenant, il faut arrêter. Si cette personne ment, c'est son problème. C'est pas mon problème. Moi, je veux dire. À un moment donné, moi je suis clair, on pose des questions, les questions sont les mêmes. Il y a des gens qui veulent des réponses, il n'y a pas de problème, je leur donne les réponses. Moi je suis pas quelqu'un qui cache, je suis quelqu'un qui dit la vérité. Alors, je vais être très clair aussi parce que je vais répondre à plusieurs questions. Est-ce que je sais pirater un site web et une base de données? Non. Non et renom. Ce n'est pas parce que j'ai suivi des formations dans le web, donc à Paris, à La Défense, à Paris, dans des grands groupes genre Epitech. Je vais être très clair, je ne sais pas hacker de site web ni même de base de données. Il faut arrêter de m'emmerder avec ces conneries. Pareil. Faut arrêter. Voilà. Je veux dire, on vous dit les choses. Faire du chantage aux gens et le faire chanter comme ce que j'ai pu recevoir hier en capture d'écran par Discord, c'est une honte à part entière. Une honte à part entière de ne pas assumer ses actes. Derrière des ordinateurs, c'est une honte à part entière. Une honte. Moi, je vais être très clair. Ça s'est passé sur Vatim, l'infraction. D'accord? Moi, j'ai pas commis d'infraction. Mais par contre, la personne qui vient me critiquer sur mes capacités de pilotage et ou de contrôle, bah, la personne n'est déjà pas capable de faire les events à l'international et en national. Ça serait bien que la personne, avant de critiquer les uns les autres, fasse des événements. Aille piloter. Et aille à l'international comme je l'ai fait moi pendant 10 heures et 2 minutes où je me suis cassé le cul, excusez-moi du terme. Aller à des événements internationaux, à vous montrer mes vraies capacités de pilotage, à diffuser le flight log. Moi je suis clair vis-à-vis de tout le monde. Je suis pas là à cacher, je suis là à dire la vérité. Donc encore une fois de plus, ceux qui ne sont pas d'accord avec le contenu de ma chaîne et ceux qui ne sont pas du tout d'accord, c'est moi le patron et moi seul. Donc c'est moi qui prends tous les risques. Je vais être très clair. Ceux qui ne sont pas d'accord avec les contenus que je propose, je vais être très clair. Je ne me tairai pas et je continuerai de diffuser des vols commentés. Parce que je suis passionné d'aéronautique et je ne céderai pas au chantage, ni même au bruit de couloir, ni même au on-dit. Qu'on soit bien clair. Maintenant, par rapport à ma suspension d'IVAO, on m'a posé beaucoup de questions là-dessus. Ma suspension d'IVAO, elle est fausse, elle n'existe pas. Elle n'existera pas, et pour moi, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup de personnes me disent, oui, mais t'as insulté des gens staff. Non, non, non. Je n'ai pas insulté de personnes staff. Les personnes staff d'IVAO France m'ont écrit comme quoi je les avais insultées de division collabo, merdique et tout ça. Je vais être très clair vis-à-vis des gens qui me regardent et qui m'écoutent. Jamais, jamais. J'ai insulté de personnes staff. Les insultes qu'ils ont reçues ne proviennent pas de moi, mais de gens qui ont détourné mon identité. Donc ça, là-dessus, je dégage toute responsabilité et je tiens à le dire. Aujourd'hui, il y a une enquête qui est diligentée par la Commission nationale informatique et liberté, d'ailleurs, où j'ai le courrier qui dépasse, qui, voilà, dont ma plainte a été prise le 22 août 2019 et dont la plainte a été en instruction. Dès le mois de janvier 2020. Bon, avec le Covid, vous vous doutez bien qu'ils ont eu du retard. Donc, là-dessus,
Moi, je vais être très clair. Vis-à-vis donc de ma sanction que Ivo m'a infligée, cette sanction aujourd'hui n'existe pas. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les personnes qui m'écoutent et qui me regardent, cette sanction n'existe pas. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi tu contrôles? Alors, je vais répondre à la troisième question de Flavien. Pourquoi tu ne contrôles pas en France? Alors, pourquoi? Bah, parce que tout simplement, par les titres de conflit d'intérêts, beaucoup de personnes, jalouses donc de mes capacités de pilotage et OATC, et ou vis-à-vis donc du fait que j'étais suspendu sur IVAO France, des représentants d'IVAO ont été influencés, donc la division française de VATSIM ont fait ce qu'on appelle entre parenthèses du conflit d'intérêts, hein, et des personnes se sont plaintes donc de la personne parce que soi-disant ce sont des haters, des gens incapables de piloter, incapables de contrôler. Ces personnes ont fait clairement du conflit d'intérêts. Donc, moi, je vais être très clair là-dessus. Si j'ai décidé de contrôler à Doha, si j'ai décidé de contrôler à Dubaï, si j'ai décidé de contrôler à Abu Dhabi, si j'ai décidé de contrôler en Iran ou je ne sais où, c'est mon droit. Je suis libre de faire ce que je veux sur le réseau VATSIM. Donc, les pays non européens, européens ou même français ou non français n'ont pas leur mot à dire là-dessus. Si la personne va les contrôler à Amman, par exemple, à Mascate, c'est son droit. Si la personne va les contrôler à Dubaï, c'est son droit. Si la personne va les contrôler à Abu Dhabi, c'est son droit. Si la personne va les contrôler à Bahreïn, c'est son droit. Si la personne va les contrôler au Qatar, c'est son droit. Si la personne va les contrôler, je sais pas moi, en Iran par exemple, c'est son droit. Qu'est-ce qu'on vient m'emmerder là-dessus? C'est le droit de la personne. La personne peut faire ce qu'elle veut. Si elle veut pas rester en France, ben elle reste pas en France. C'est tout. Et elle reste pas en France sur le réseau Vatim. Pas en vrai. D'accord? Donc je vais être très clair parce qu'il y en a qui me disent oui, mais est-ce qu'il y a eu du conflit d'intérêts entre ces pays-là? Non, il n'y a pas eu de conflit d'intérêts entre VATSIM Iran et VATSIM France, il n'y en a pas eu du tout. Moi j'ai décidé d'aller à Bahreïn, pourquoi? Parce que tout simplement j'ai quelqu'un qui m'apprécie énormément pour mes capacités de pilotage et OATC, qui me forme à Bahreïn et qui très clairement est dans son droit de me former. Donc ça là-dessus, moi j'ai décidé d'y aller parce que tout simplement, voilà, il n'y a pas tergiversé. Je veux dire, je vois pas ce qu'on vient me reprocher. Voilà. Donc ça là-dessus. Moi, je suis désolé, je me victimise pas. Je dis que simplement, il faudrait arrêter d'écouter des bruits de couloir ou des on-dit. Moi, je ne connais pas donc cette personne qui me critique et qui, depuis 2017, me dit que très clairement je l'ai hacké ou je l'ai piraté. Moi, je vais être très clair, je n'ai pas piraté ce monsieur, d'accord? Je ne l'ai pas hacké. Donc, j'aimerais juste que les choses soient bien comprises et que, une bonne fois pour toutes, on arrête avec ces suppositions, ces on-dit, ces bruits de couloir qui ne servent strictement à rien. Juste à amener un conflit et juste à amener des on-dit et des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui n'ont pas lieu d'exister. Voilà. Donc, je pense que cette petite clarification est nécessaire pour calmer une bonne fois les on-dit. Moi, j'ai jamais insulté qui que ce soit, j'ai jamais injurié qui que ce soit. Les gens qui sont jaloux de mes capacités de pilotage et OATC, moi, je m'en cogne. Et très clairement, c'est pas une question de leur faire de la pub, c'est une question d'être clair. Voilà. Moi, c'est pas une question de faire de la pub, c'est pas une question de faire du buzz. Je suis pas là pour faire du buzz, je suis pas là pour faire de la pub. Je suis là pour restituer les règles. Donc, pour terminer sur ce point, et ces points que j'ai abordés, les règles du code of conduct de VATSIM, si vous n'êtes pas d'accord, c'est rien de vous inscrire. Vous avez un compte, vous devez respecter les règles. Point barre. Ceux qui volent en IFR, VFR, vous devez suivre votre plan de vol. Et vous ne devez pas voler sur une route que vous n'avez pas rentrée. Point barre. Imaginez, vous allez, je sais pas moi, par exemple, de Paris, vous allez à Londres, vous faites demi-tour subitement, je sais pas moi, vous faites subitement demi-tour au-dessus du Havre. Vous regardez où est Paris, vous regardez où est le Havre. Vous pensez vraiment que c'est la route de Londres? Non, c'est plutôt la route qui file vers l'Irlande ou l'ouest de Londres. Vous dites pas à un moment donné, il n'y a pas un problème. Je sais pas. Hein. Maintenant, ils disent, regardez, expect ATC to babysit you. Donc ça veut dire, tiens aussi, Control will be happy to help you if you have a problem, but they are not to teach you how to use your software or fly your aircraft. Ça, c'est bien. Ça veut dire, et ça, ce sont les règles de VATSIM Scandinavie. On vous dit, de manière claire, que à ce jour, aucun contrôleur, pilote ATC, n'est autorisé, d'accord,
à vous former. Même les contrôleurs ne sont pas là pour vous former. C'est vous seul et uniquement vous qui êtes maître de votre avion. Donc les gens qui se prétendent instructeurs, machin, truc, tout, et qui se revendiquent instructeurs à de faux titres, bah, n'écoutez tout simplement pas ces personnes-là. Ces personnes-là ne vont rien vous apprendre. Encore une fois, il faut aller vérifier si vous avez un doute. Vous allez juste aller sur Internet. Vous allez donc télécharger Qt'Scope. Vous regardez avec juste le nom et prénom, vous cliquez dessus. Vous regardez, hop, telle vidéo, boum. Je regarde, est-ce qu'il est instructeur? Oui, non. S'il n'est pas instructeur, vous coupez contact. Tout de suite. Si la personne est instructeur, là d'accord. Mais automatiquement, si vous vous formez, il faut être offline. Ça veut dire que la personne, vous allez soit sur JoinFS, qui est offline, vous dérangez personne, soit sur FFS de Play. FFS de Play, vous pouvez vous former, il n'y a aucun problème. Mais derrière, comme je l'ai dit, les centres de formation qui ne sont pas agréés, donc en virtuel, et je parle de ceux virtuels qui ne sont pas agréés, pour donner des cours ou des leçons de pilotage, ne leur donnez pas du crédit d'intérêt. On vous l'a redit, ce sont les règles de votre sim. Si ces personnes n'ont pas passé d'audit, comme je l'ai dit, ce sont les règles de votre sim, je vais les remontrer, d'accord? Je veux dire, on vous a suffisamment marqué et ou dit en ATO, voilà, en ATO, il faut que ces personnes passent un audit avec VATCOV 14, donc c'est les Board of Governors donc de VATSIM, qui uniquement eux et seulement eux décident de qui ont le droit d'être formés et donc à qui de droit. Donc, ça là-dessus, il faut que les ATO, donc Everything Issued by the ATO, d'accord? Done under the signature and authority of the design chief instructor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les CTO doivent suivre des programmes faits à la ligne par VATSIM et par IVAO. Si ces centres de formation ne sont pas agréés, ça ne sert strictement à rien. Ça sert à rien. C'est rien à prendre. Ne serait-ce que bah, du grand n'importe quoi. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, de manière à être extrêmement claire, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Il faut être clair et rigoureux. Moi, ce que je veux que les gens retiennent, et c'est très important, la première des choses concernant le message que j'ai reçu, donc de la personne, malheureusement qui est jalouse de mes capacités de pilotage et OATC, cette personne m'accuse et me fait du chantage depuis 2017. Pourquoi? Parce que cette personne pense que je l'ai hacké et ou piraté. Je vais être très clair, je ne sais pas pirater, je ne sais pas hacker de compte, ni même de site, ni même de base de données. Faut arrêter de me faire chier. C'est pas parce que j'ai suivi, encore une nouvelle fois, des formations dans le web qu'on doit me faire chier. Moi, ces formations dans le web, elles m'ont juste permis de voir quoi? Le monde de l'informatique, elles m'ont permis de voir certaines choses que je ne connaissais pas. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on vient me faire chier à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on vient me faire chier et qu'est-ce qu'on vient me reprocher? Moi, j'ai rien à me reprocher et on ne peut rien me reprocher. C'est pas parce que j'ai suivi des formations qu'automatiquement, faut que les gens comprennent et faut que ça soit ancré dans les têtes et dans les crânes. C'est pas parce que j'ai suivi des formations que automatiquement, je suis quelqu'un qui hack et qui pirate les sites internet et ni même les bases de données. Non, je ne sais pas faire ça. Faut qu'on arrête de me faire chier, qu'on me mette une pression qui est abominable à ce sujet-là. Putain, depuis 4 ans, je me justifie vis-à-vis de vous tous qui me suivez, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur Snapchat, que ça soit sur ma chaîne, que ça soit sur les réseaux sociaux. J'arrête pas de vous dire que depuis 4 ans, je ne sais pas hacker de site web ni même de base de données. Il faut qu'on arrête de me faire chier avec ça et qu'on arrête de me demander des comptes. Les comptes, vous les avez. Trois vidéos
de plus d'une heure, dans lequel je me justifie, dans lequel je vous avance des choses, à un moment donné, pourquoi vous n'allez pas les écouter avant d'aller donner des supputations? Ce message que j'ai reçu de cette personne, vous voyez que moi, ça m'a fait plaisir? Non, moi, ça m'a pas fait plaisir. Moi, je suis pas là à chercher les problèmes. Je suis là à voler. Je suis là tout simplement pour faire mes vols, pas pour faire chier mon monde. Ensuite, concernant les plateformes, une bonne fois pour toutes que ça soit compris, vous avez le droit avec votre avion d'aller écouter une clairance, ou vous avez le droit d'aller écouter une station ATC. Vous avez le droit. Vous avez tout à fait le droit si vous êtes membre du réseau VATSIM. Ça là-dessus, je ne comprends pas où est le débat. Où est le débat là-dessus? Où est le problème? Il n'y en a pas. On vous l'a dit. Regardez, on vous l'a dit dans le code of conduct. Regardez. On vous a dit. Alors, c'est pas là. On vous a dit. Attendez, où est-ce que c'est ça déjà? Attends, je suis en train de chercher directement. Voilà. On vous dit que vous pouvez observer et ou écouter une fréquence ATC et ou une fréquence où un pilote y est. Où est le souci? Il est où le souci? Mais il n'y en a pas là. C'est le règlement A2. Tout premier. On arrive, boum, on voit ça. On se dit, bon, alors là, bon, bah on peut rien dire. Donc, ça là-dessus, je vais être très clair. Quand vous êtes pilote et que vous allez en Cessna, en Boeing ou en A380 ou peu importe le type d'appareil que vous avez le droit d'aller sur une fréquence contrôlée et d'écouter la personne. La première des choses. La deuxième des choses, c'est vous en tant que pilote, essayez de contrôler une piste. Enfin, pas de contrôler, mais de savoir calculer une piste en service. Je vous rappelle que le calculer une piste en service, c'est le vent moins la course de la piste. Donc ça là-dessus, je voudrais être très clair, ça s'appelle du béaba. On vous l'apprend quand vous commencez à voler. Ok? On vous apprend aussi à rentrer des plans de vol sur le FMC. Ça aussi. Normalement, c'est du tac au tac, ça doit là-haut, ça doit être ancré. Maintenant, pour terminer, je voudrais être bien clair. C'est moi et moi seul qui décide les choses sur ma chaîne. Les commentaires, c'est moi qui décide et moi seul qui décide de les afficher. Donc les personnes qui ne sont pas d'accord, vous allez voir d'autres youtubeurs, allez les faire chez eux, mais pas moi. D'accord? Moi, je suis là pour proposer du contenu de qualité. Je suis pas là pour faire chier les gens. Donc les gens qui se font influencer, qui écoutent des on-dit, des bruits de couloir, des machins, des choses qui sont contre moi je parle pour vous. C'est vous qui voulez écouter des choses. Pas moi, hein. Moi je m'en fous, je sais piloter, je sais contrôler. Moi je m'en fous, hein. Moi je suis pas quelqu'un de problème, hein. Moi on m'a jamais rien reproché vis-à-vis de mes capacités de pilotage, vis-à-vis de mes capacités ATC. On m'a jamais rien reproché. Il y a des gens qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des gens qui sont jaloux. Tout simplement. Voilà. Donc, pour terminer là-dessus, pour terminer sur ce point, par rapport au message que vous avez pu voir, qui malheureusement s'est trouvé effacé et ou passé sous le tapis, malheureusement, je ne diffuserai pas ce message. Parce que la personne. On va être très clair, dit que j'ai. Enfin, des gens m'ont dit que, soi-disant, j'avais affiché son nom de famille de manière volontaire. On va être très clair, quand vous êtes sur VATSIM, une nouvelle fois, vous devez afficher votre vrai nom et votre prénom. Donc là, comme ça, complet. OK? C'est marqué aussi ici. Your full name and your name. Et votre home airport. Je vous ai montré comment ça se passait sur VPilote. Je ne peux pas être plus clair. On vous a dit les choses, on vous redit les choses, écoutez-les. On vous dit aussi sur l'Unicom que toutes les conversations privées ne doivent pas être utilisées sur une fréquence ATC.
Par exemple, l'Unicom. L'Unicom ne sert pas à ça. On vous l'a déjà dit. Il y a déjà eu des communications qui ont été faites par des gouverneurs. Il y a des communications qui ont été faites par des administrateurs à ce sujet-là. Vous devez utiliser les messages privés, pas l'Unicom. L'Unicom ne sert pas, et je vous l'ai déjà dit, je le redis, quand vous êtes en contrôle, imaginez qu'il y en a un qui raconte à quelqu'un d'autre sa couleur de sa maison, ce qu'il fait, machin, truc tout, sur une fréquence ATC lors d'un grand événement, par exemple le Close the Pound, je peux vous assurer d'une chose, il y a un superviseur qui vient dans les 2 secondes, il vous déconnecte. Il vous déconnecte pour violation des règles de votre SIM, et vous suspend. Logique. Logique. On vous dit les choses. On vous dit les choses. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter le bordel. On vous dit aussi que le hijacking et les situations d'illégal ou de criminel operations sont interdits. Vous voyez, c'est marqué, hein. On vous dit les choses. Et on vous dit, vous pouvez vous connecter, d'accord, en volant ou en observant, pas en chatant, d'accord. Donc voilà, à un moment donné, arrêtez de faire chier les gens avec des conneries. On vous dit les choses, à un moment donné, je tiens à être très clair, je n'ai jamais injurié qui que ce soit. Donc qu'on pose des questions, d'accord, mais on vous fait des vidéos assez explicatives, assez longues en français. Je ne sais plus comment vous parlez, en chinois, en italien, en espagnol, faut vous parler comment? Non mais expliquez-moi parce que je sais pas, enfin moi là honnêtement je suis impuissant quoi. Parce que je me dis mais c'est pas possible les gens, enfin comment on peut comment on peut tolérer ça? Enfin, je comprends pas. Voilà, donc j'espère que sincèrement donc cette vidéo de clarification aura été claire sur les règles de VATSIM et donc ce message vidéo que j'ai reçu. Pour terminer sur ce message vidéo et pour terminer une bonne fois pour toutes, je n'ai jamais insulté ni même injurié cette personne. Cette personne, bah écoutez, si elle veut mentir, si elle veut se mettre en statut de victime, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, écoutez, je sais que j'ai jamais insulté, je sais que je n'ai jamais injurié. Donc maintenant, écoutez, pensez ce que vous voulez, les gens. Pensez ce que vous voulez. Mais très clairement, moi, une personne qui m'accuse à tort depuis 2017, qui me fait une mauvaise réputation sur Internet parce que tout simplement j'allume mes capacités de pilotage et ATC, c'est son problème, c'est pas le mien. D'accord? Moi, je veux dire, à un moment donné, moi, je sais piloter, je sais contrôler, je sais respecter les règles ATC, je sais respecter les procédures IFR, VFR, les approches à vue, les VPT, les approches VOR, donc avec un VOR, les DIVOR, je sais respecter des AirNav Approach, je sais respecter des ILS Approach. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, à un moment donné, je ne peux pas être plus clair que ça. Je peux pas. Je peux pas. Donc, voilà, je pense qu'il est nécessaire, et je pense qu'il a été nécessaire et fondamental de faire une petite vidéo de clarification par rapport au message que j'avais reçu, par rapport aux règles de VATSIM, parce qu'il y en a qui contestent formellement, qui viennent d'IVO, qui ne comprennent pas les règles de VATSIM. Là, les règles, je vous les ai affichées, je vous ai expliqué, je vous ai détaillé, je vous ai décortiqué tout ça. Pour que les gens qui viennent sur VATSIM comprennent les règles en français de VATSIM. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, vous allez sur Postcon, vous allez sur IVAO, mais arrêtez de faire chier votre monde, s'il vous plaît. Il y en a qui sont passionnés d'aéronautique. On vous dit les choses. Je pense qu'il est nécessaire et important de faire une vidéo de clarification, parce que moi, je vais être très clair. Les commentaires injurieux ou insultants ne sont pas sélectionnés, sont directement supprimés. Et la personne est bloquée. Je vous le dis, hein. C'est moi qui décide. Et c'est pareil sur mon Discord. Donc, je vais être très clair, ceux qui veulent me porter préjudice, c'est leur problème. Ceux qui ne sont pas d'accord avec mes capacités de pilotage, pardon, et OATC, c'est leur problème. Moi, je sais contrôler, je sais piloter. On n'a jamais à reprocher. Voilà, je pense que ce point a été nécessaire et je pense que clairement, il était plus que bénéfique et nécessaire d'arrêter donc des on-dit, des bruits de couloir, donc par rapport à des gens qui veulent me porter préjudice avec les autorités. Je pense qu'il est nécessaire,
Voilà, d'avoir fait une petite vidéo explicative pour que les choses soient bien comprises. Je vous mettrai tous les liens, tous, en barre de description et que les choses soient bien comprises. Je veux dire, je ne peux pas être plus clair. On vous a fait une vidéo, on vous a décortiqué les règles, on ne peut pas aller au-delà. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, vous écrivez à Vatkov en disant bah je suis pas d'accord sur le règlement, machin truc tout. Le Vatkov, il va vous dire bah monsieur, bah c'est pas votre problème. Enfin, vous voulez pas respecter les règles, on vous oblige pas à venir sur votre team. Par contre, si vous venez sur votre team, vous êtes obligé. C'est tout. Maintenant, vous pouvez chanter ce que vous voulez, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais moi, je respecte les règles. J'ai jamais écrit à quelqu'un des actes sexuels sur ma team, parce que ça aussi, on va venir me le reprocher. Je n'ai jamais insulté, ni même envoyé de choses sexuelles en privé. Moi, ce que je voudrais que les choses soient retenues une bonne fois pour toutes afin de terminer cette vidéo de clarification. L'éco-radar que j'ai eu, comme je vous l'ai dit, c'est un bruit métallique ou une chose métallique qui échange, ce sont des petits ordinateurs, qui échangent entre eux. Et où il y a un écho qui revient et qui calcule la distance. À un moment donné, j'ai eu un écho et une personne et deux personnes pardon qui parlaient sur l'Unicom. Les deux personnes étaient le Foxtrot Charlie Papa Lima Alpha et donc celui que je vous ai donné qui parlait sur l'Unicom. On vous l'a déjà dit, on vous l'a déjà redit et on va être très clair, l'Unicom n'est pas un lieu pour échanger. Il y a des règles. Pour les messages privés, je vous le remontre une dernière fois et je pense que là-dessus, j'arrêterai de me justifier parce que j'en ai marre et ma claque. Si vous voulez discuter en privé, please use private message for personal communication. Point barre. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est suffisamment clair. Voilà, j'espère que ce petit point aura été nécessaire et bénéfique, mais je vais être très clair et je vais terminer là-dessus. Jamais, écoutez bien, jamais. Jamais je me laisserai marcher sur les pieds. Jamais je ne céderai au chantage, ni même aux menaces, ni même aux intimidations. Qu'on soit bien clair. Jamais cela n'existera. Et ça n'existera pas sur ma chaîne. Et je peux vous assurer qu'une personne qui me menace ou qui me fait de l'intimidation, je peux vous assurer que pour la personne, ça va très mal se passer. Je vous le dis. Moi, les gens qui me disent « Ah mais oui, mais il faudra arrêter de moins parler de ça, ceci, cela. » Je m'en bats les couilles. J'ai le droit de parler de ça. D'accord? Parce que je suis désolé. Mais moi, les personnes et les entreprises, je vais être très clair, qui ont reçu des insultes, qui soi-disant proviennent de moi, en réalité, ça provient pas de moi. Ça provient d'une personne qui est jaloux de mes capacités de pilotage et jaloux de mes capacités ATC. Tout simplement. C'est tout. C'est un groupe qui essaye de me faire plonger pour des conneries. Et qui essayent de se faire justice eux-mêmes et obtenir gain de cause. Pourquoi? Pour que la chaîne ferme et pour qu'il n'y ait plus de vidéos. Voilà. Mais je vais être très clair. Ma chaîne n'est pas un lieu de dépotoir. Et je continuerai, peu importe ce qu'on va me dire, qu'une personne vienne me dire « Oui, mais monsieur, faut arrêter de partager des événements, machin, truc, tout. » Je m'en bats les couilles. Il y a des gens qui démarrent dans l'aéronautique. Ces gens n'ont pas le droit d'être privés de leur passion, ni même des vols. Et des events organisés. Les gens ont le droit de revoir des événements que eux n'ont pas fait. Point barre. Je vais être très clair. Voilà. Ce point se termine là. J'espère vraiment que les choses auront été claires. Et puis, j'espère que les on-dit de bruit de couloir s'arrêteront une bonne fois pour toutes. Et pour terminer, je me victimise pas, mais très clairement, je pense qu'il est nécessaire de devoir rappeler les règles de votre team et ou les règles aussi de Discord. Les règles de Discord, très clairement, c'est pas un lieu de dépotoir, c'est pas un lieu pour insulter les gens, ni même pour les injurier. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, rendez-vous plus tard. Salut tout le monde, ciao.